Excellence, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, chers clients, chers collègues, chers amis, donc je vous remercie d'être présent parmi nous aujourd'hui, ici à Nouakchott, pour fêter d'une part la fin de mission de Monsieur Othmane Boudhaimi, qui était le directeur général de Tijari Bank Mauritanie, et souhaiter la bienvenue à Si Mohamed Boubrik, donc qui va le remplacer à partir donc de maintenant. L'objectif du groupe Tijari Wafa Bank, c'est évidemment d'être, comme il l'est déjà, un groupe panafricain présent dans plusieurs pays à travers des banques universelles. L'idée, c'est que ces banques puissent accompagner les économies de chacun des pays et œuvrer pour la bancarisation, c'est-à-dire faire accéder au maximum de personnes donc aux produits et services bancaires, accompagner les économies en finançant les entreprises. Nous n'avons pas de limite et nous finançons l'ensemble des entreprises, que ce soit petites, moyennes donc, ou grandes, à travers des mécanismes appropriés et adaptés à chaque pays. Nous accompagnons également donc, les États dans un certain nombre de projets d'infrastructures. Donc aujourd'hui, ce modèle de banque universelle, donc dans chacun des pays, s'appuie non seulement sur les forces et les capacités des banques dans leur pays où elles sont implantées, mais également, elle s'appuie aussi sur l'assistance et l'accompagnement de l'ensemble des banques du groupe. Ceci de manière à favoriser et à développer la coopération sur Sud-Sud, qui est vraiment donc notre ADN aujourd'hui au niveau du groupe Tijari Wafa Bank, et que nous matérialisons chaque année à travers un certain nombre de manifestations qui sont soit des manifestations donc continentales, le Club Afrique Développement ou le Forum Afrique Développement qui s'est tenu récemment donc à Casablanca et qui a regroupé pas mal de pays, pratiquement 35 pays et donc 4000 à 5000 donc participants. Donc qui développent évidemment aussi bien donc leurs échanges mais aussi donc des opérations donc commerciales assez rapidement en présence des collègues de la banque. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis et chers collègues, comme je disais tout à l'heure à mes collègues, la vie nous a enseigné que chaque chose a une fin. Et cette fin, vraiment, qui me tient beaucoup à cœur, de quitter une famille. Donc, sincèrement, je me considérais comme un de vos chers membres de la famille. Donc, je ne peux que vous remercier de tout ce que vous avez fait à travers moi pour la banque, parce que la banque, s'il s'est développée, c'est grâce à vous. Donc je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et je tiens aussi à vous dire que si je vais quitter, ce n'est que physiquement, hein, et je ne suis pas assez vieux, certainement je vais revenir. Hein. Donc, Inch'Allah, je vous souhaite une longue vie, plein de santé et de prospérité. Monsieur l'Ambassadeur, messieurs les représentants des ambassades à Nouakchott ici présents, chers clients, chers collègues, mesdames et messieurs. Pour moi, c'est vraiment un honneur que de succéder à Si Othmane Boudhaimi au niveau de la direction générale de cette banque, à Tijari Bank Mauritanie, qui, comme l'a précisé tout à l'heure M. Jay, a connu une véritable saga depuis que donc, le groupe Tijari Wafa Bank avait acquis en fait, donc, la filiale de BNP Paribas. Et aujourd'hui, à travers en fait, les quelques jours que j'ai passés ici à Nouakchott, à rencontrer les clients, à rencontrer les autorités sur place, la Banque centrale, tous les partenaires, j'ai pu constater combien en fait cette banque aujourd'hui est appréciée par évidemment le professionnalisme de ses ressources humaines, de son capital humain,
par la qualité de service qu'elle délivre à sa clientèle et par le capital confiance aujourd'hui qu'elle a au niveau donc de ses clients et au niveau du marché. Automatique pour des chefs d'entreprise qui n'ont pas de temps à perdre et qui souhaitent développer leur business. Alors pour rappel, le groupe Batigeiro-Alpha, c'est un réseau de 16 banques à l'échelle du continent et qui est présent dans 26 pays à l'échelle mondiale, notamment en Europe. Donc on apporte le réseau des banques du groupe Batigeiro-Alpha.